suis mes conseils. Salibur. Salibur qui peut centrer vers Jimmy Briand cette fois. Oh, le deuxième poteau. Oh, la frappe du capitaine Kagopé contré. Son équipe. Où ça passe? Il s'est manqué la Ramarsal. Bamba qui a levé la tête, qui repique à l'intérieur. Entre les jambes, l'occasion. Le dernier défenseur, contre-attaque peut-être pour les Angevins. Périgord, première attention. Pas de position de hors-jeu pour Favara Diédiou. Diédiou a un contrat avec Sorbon. Diédiou qui tente sa chance et contre. Périgord. Et la parade de la poitrine de Karl-Johan Johnson. Et il va poursuivre Romain Thomas. Il va se passer dans la surface de réparation. Le centre de Manso et l'intervention de Johnson. La frappe de Mangali. Et cette reprise de la tête qui passe au ras du poteau. Sidney Cherenoy. Alexandre Mendy, le crampon sur Romain Thomas, le centre sur la poitrine de Gérald Boy. On réclame un pénalty. Encore un pénalty. Incroyable. Oh, il tombe dans sa poitrine, le capitaine en jeu. Le centre de Mendy. Ah, c'est la poitrine, pas sûr. Hein. Il est sûr de quoi? Il est sûr de rien. C'est poitrine. C'est poitrine, Christophe. La poitrine de Gérald Boy. Regardez, il n'en peut plus, Gérald Boy. Regardez. Chercher la qualification grâce en et l'intelligence de Matteo Pavlovic, petite extérieur du pied pour décaler Kartoko Ekambi, ouais, qui finit parfaitement cette action. Ouais, exactement, ça c'est le deuxième but de la part de Toko Ekambi pour son équipe angevine. Les deux remplaçants décisifs.